Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de revenir sur pas mal de nouvelles informations qu'on a pu apprendre sur Squadron 42. C'est principalement la version Director's Commentary de la vidéo de gameplay qui s'est avérée très riche en infos. Mais avant ça, et comme je vous l'avais promis la semaine dernière, on va commencer par traduire le segment Shipshape de l'event de Noël. Il faut dire que cet épisode nous a réservé du lourd avec un vaisseau capital, l'Idris, mais également l'Avenger qui prend du poids et le premier tank du jeu qui nous vient de chez Tumbril. L'Idris est un élément central de Squadron 42, puisqu'une partie importante du jeu devrait se dérouler à bord de l'un d'eux. C'est un des trois vaisseaux piliers de la flotte de l'UEE, avec le Javelin et le Bengal. Comme de nombreux vaisseaux du jeu, il a beaucoup grandi par rapport à son concept original. Et c'est l'arrivée de la technologie de conteneurs d'objets qui a permis de doter ces vaisseaux de vastes intérieurs. On parle tout de même de 551 pièces et de 3324 sources de lumière à bord d'un seul vaisseau. Déjà que j'ai tendance à me perdre dans Grimex, je n'imagine même pas ce que ça va être à bord d'un de ces bestiaux. Dans le développement du jeu, l'Idris sert aussi de banc d'essai technologique. Si une nouvelle technologie fonctionne bien avec lui, alors elle ne devrait pas poser de problème pour les autres Capital Ships ou les vaisseaux plus petits. Son rôle au sein de Squadron 42 le rend tout aussi particulier. Il faut s'assurer que son architecture serve la narration du jeu, tout en n'oubliant pas qu'il s'agit également d'un vaisseau de l'univers persistant. Et concevoir un vaisseau aussi imposant pose son lot de défis. Et pas seulement en termes techniques, il faut aussi penser au gameplay. Pour permettre aux joueurs de ne pas se perdre, il a fallu mettre en place des codes couleurs, vert pour un côté et rouge de l'autre. Des signes directionnels sont aussi présents en abondance. L'Idris est en tout cas capable de faire beaucoup de choses. Forcément bien armé, il peut accueillir trois vaisseaux de la taille d'un Gladius et même du cargo. De quoi se donner des options dans l'univers persistant. Dans le PU justement, il vous faudra une bonne équipe pour faire tourner l'Idris. Ce n'est clairement pas un vaisseau pour les joueurs solo. Il fera donc la part belle au gameplay collaboratif. Marcher d'un point à l'autre, du pont à la salle des moteurs par exemple, peut prendre jusqu'à 5 minutes. Il vous faudra donc une organisation et une collaboration exemplaires pour exploiter le vaisseau au maximum de ses capacités. Malgré sa taille et sa complexité, l'Idris est déjà en phase de Final Art, la quatrième des 5 phases de conception des vaisseaux du jeu. Pour les besoins de Squadron 42, on imagine qu'il bénéficie de toute façon de ressources de développement importantes. Mais dans Squadron 42, il n'y a pas que l'Idris. Un autre vaisseau qui jouera un rôle important est l'Avenger d'Aegis. On change d'échelle ici, puisqu'on parle plutôt d'un vaisseau adressé aux joueurs solo. Il est déjà implémenté dans le jeu, mais il est en train de subir une refonte qui lui fait prendre un peu plus de masse. C'est essentiellement sa soute à cargo qui bénéficie de cet espace supplémentaire. Elle devient bien plus confortable, ce qui devrait également se traduire dans les options de gameplay. En plus de transporter des caisses de marchandises, il est aussi possible d'y placer des cellules pour prisonniers ou un EMP. De quoi sérieusement faire de l'œil aux chasseurs de primes. Cette refonte du vaisseau a été l'occasion de l'amener au dernier standard visuel du jeu. Texture et shader s'affinent, lui offrant une apparence plus rugueuse, ce qui reflète sa fonction de bête de somme de l'univers. Malgré sa soute à cargo imposante, il s'agit d'un chasseur plutôt compétent et agile. L'Avenger se présente en trois versions. Le Titan propose sa vaste soute à cargo pour faire du profit sur les marchandises. La version Stalker est munie de cellules d'emprisonnement pour faire du profit sur les humains. Et la version Warlock est dotée d'un EMP. L'Avenger est donc un vaisseau très polyvalent, aussi bien capable de se battre que de transporter des marchandises, vivantes ou non. Le rework du vaisseau est lui aussi en phase de Final Art, et vu qu'il est bien plus petit que l'Idris, on devrait le voir assez rapidement arriver dans le PU. Allez, on finit notre shipshape avec le dorénavant célèbre tank de Tumbril qui a fait la gloire de l'accent français, le Nova. Avec le Nova, Star Citizen commence à offrir de réelles options militaires pour les opérations au sol. C'est un tank lourd aux dimensions imposantes,
très bien armé et très bien protégé, il devrait pouvoir tenir son rang face aux menaces aussi bien terrestres qu'aériennes. Le Nova embarque donc un énorme canon balistique chargé de réduire en miettes les menaces au sol. Deux répétiteurs laser et des missiles d'un nouveau genre sont quant à eux chargés de maintenir les vaisseaux ennemis à distance. Le Nova a été conçu de manière assez modulaire. Il n'est donc pas interdit de penser que de nouvelles versions du Bestiau vous feront leur apparition prochainement. Il est capable d'accueillir un équipage de 3 joueurs, dont un pilote et un gunner. En plus de son armure, il est aussi protégé par un bouclier et devrait donc présenter une bonne capacité de survie sur les champs de bataille. Il s'agit d'un tank super lourd. Si d'autres tanks font leur apparition plus tard dans le jeu, ils seront donc probablement plus légers et petits. Et voilà qui clôt l'épisode de Shipshape qu'on a pu voir lors de l'event consacré à Squadron 42. Et c'est sur ce dernier que je voudrais revenir dans la deuxième partie de cette vidéo. CIG nous a en effet gratifié d'une version commentée de la vidéo de gameplay, qui nous apporte de nouvelles informations. On a commencé par apprendre que l'extrait que nous avons vu prend place durant le deuxième acte du jeu, alors que notre pilote est déjà un peu établi. Pour cette démo, une version avancée de Subsumption était aux commandes des intelligences artificielles, ce qui explique pourquoi on pouvait voir des PNJ bien plus actifs que dans le Verse. Le jeu ne comportera aucune cinématique précalculée. La seule différence entre une conversation classique et une conversation cinématisée sera la liberté prise par la caméra pour quitter le point de vue du joueur. Il sera toutefois possible pour le joueur de récupérer le contrôle de la caméra et d'observer les conversations depuis l'emplacement de son personnage. Toutes les conversations du jeu sont issues de captures d'acteurs, ce qui devrait donner une place importante au langage non-verbal, un point de plus pour l'immersion. Concernant les performances de la démo, Chris Roberts a insisté sur le fait qu'il ne souhaitait pas tricher et montrer le jeu dans son état actuel. Aucun travail d'optimisation n'a pour le moment été effectué sur Squadron 42, ce qui explique le framerate très variable. L'objectif de CIG est de faire tourner Squadron 42 à 60 images secondes sur les PC les plus puissants et à 30 images secondes constants sur les machines moins bien loties. Si vous avez regardé la démo, vous avez peut-être remarqué que de nombreux PNJ vous saluent d'un laconique lieutenant. Dans les versions finales, de nombreuses formes de salutations seront présentes en fonction de votre réputation. Vous devriez d'ailleurs être capable de discuter plus en profondeur avec une bonne partie de l'équipage de l'Idris. Chris veut encore apporter beaucoup de modifications au système d'intelligence artificielle, Subsumption, de manière à ce que la transition entre animation issue du système et performance capture soit la plus invisible possible. Concernant la capture d'acteurs, le jeu fait appel à un grand nombre d'entre eux, et presque tout ce que Londres compte d'acteurs est venu faire un tour dans Squadron 42. Le recours à des acteurs de premier plan permet en tout cas d'apporter un réalisme certain au jeu. Le système Odin où se déroule la démo comprend une partie appelée The Coil, ce qu'on pourrait traduire par la bobine ou la spirale. Il s'agit d'une anomalie électromagnétique qui fait suite à l'explosion de la première planète du système lorsque l'étoile est entrée en Nova. On y retrouve donc de très nombreux débris planétaires et une sorte de tempête électromagnétique perpétuelle. Cela rend l'endroit très particulier. Il est très prisé des compagnies de minage, attiré par le cœur d'une planète devenue facilement accessible. On y retrouve également de très nombreux criminels qui savent que les conditions dangereuses du système leur assurent une certaine tranquillité. The Coil fait appel à une technologie particulière développée par DreamWorks pour répandre les débris sur un volume 10 fois supérieur à celui d'une planète du jeu. Cela comporte encore pas mal de défis, ce qui explique les performances compliquées durant cette partie de la démo. Par exemple, on y trouve d'immenses nuages de poussière volumétrique. La discussion entre les ferrailleurs, le héros et son mentor est une bonne occasion de voir Render to Texture à l'œuvre. Alors que vous voyez la conversation se dérouler sur l'écran de votre Gladius, elle a également lieu en temps réel pour chaque personnage, chacun dans son cockpit. Le combat de la démo aux commandes du Gladius est l'occasion d'apprendre que de nouveaux effets de bouclier vont faire leur apparition dans la version 3.1 de l'univers persistant. Chris veut encore apporter pas mal de modifications sur le feeling des vaisseaux, et compte en faire une priorité de développement pour 2018. La séquence de gameplay de cette partie du jeu sera un peu différente de la démo qu'on a pu voir. Il devrait y avoir plus de combats et un peu de recherche au scanner avant de pouvoir localiser le contact du héros.
Chris profite de la rentrée atmosphérique du Gladius pour rappeler que si les FPS sont en effet faibles pour la démo, les équipes de CIG sont-elles absolument confiantes dans leur capacité à les amener à un niveau jouable ? Le jeu rend à l'écran bien plus d'objets que toute autre simulation, ce qui demande un certain travail de recherche et d'optimisation. Le vaisseau suit ensuite une trajectoire près du sol pour éviter radars et canons anti-aériens. Mais le choix de l'approche sera entièrement laissé aux joueurs, à vous de voir quel chemin, quelle altitude vous souhaitez emprunter, quelle distance vous voulez couvrir en vaisseau et quelle distance vous voulez couvrir à pied. Dans la démo, le joueur est confronté à ce moment-là à un puzzle. Et c'est quelque chose que CIG veut implémenter dans Squadron 42 pour varier les phases de gameplay. Il s'agit dans ce cas de remettre le courant dans la station à l'aide d'une batterie. Lors des phases à pied, une carte 3D fera son apparition pour aider le joueur à naviguer dans les immenses environnements du jeu. Concernant le combat à pied maintenant, Chris va encore apporter beaucoup d'améliorations à l'intelligence artificielle. Il souhaite implémenter quelque chose de moins absolu que dans la plupart des FPS où les PNJ cherchent la victoire ou la mort. Dans Star Citizen, les PNJ tiendront à leur peau et certains d'entre eux n'hésiteront pas à décamper s'ils estiment que leurs chances de survie s'amenuisent fortement. Les combats au sol devraient également s'enrichir de nombreuses animations. Vous entendrez vos ennemis se crier des informations sur votre position ou tenter de tirer sans se découvrir. Bref, si cette démo de Squadron 42 nous a laissé entrevoir de très belles choses, il reste encore du travail pour arriver au niveau de qualité souhaité par Chris Roberts. Cela nous amène déjà à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à partager questions et remarques dans les commentaires et on essaiera de répondre à certaines de vos interrogations dans la vidéo de dimanche. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Star Citizen et la conquête spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.